Je vais prendre celui-ci. Sam, attends une seconde. Où est-ce que tu vas avec mon sac préféré? C'est un secret. Ne t'inquiète pas, Sue. Comme tu le sais, je suis en plein milieu d'une expérience. Alors, ne te distrais pas, s'il te plaît. Waouh! Tu essaies encore de cloner des bonbons? Non, je veux aller au pays des dessins animés. Mais il me faut un cobaye pour l'expérience. Ce sac, par exemple. Sam, reviens ici. Mais j'en ai besoin! Pas question! Je ne te laisserai pas abîmer mon sac! Et le pays des dessins animés, alors? Je vais te montrer comment y envoyer un sac facilement! C'est parti! Salut les amis! Aujourd'hui, on va empêcher Sam de me piquer mes affaires! Est-ce qu'on va faire un genre d'expérience scientifique? Exact! C'est pour ça que je me suis changée! Tu es superbe, Sue! Si vous êtes d'accord avec moi, les amis, mettez un j'aime pour Sue! Voici le matériau principal de notre expérience, le papier mousse. On va recopier ce dessin dessus. Voilà, tout est prêt! On va pouvoir commencer! Sue, en tant que collègue, je respecte ton choix. Toutefois, tu ne comptes pas laisser notre bricolage tout blanc, pas vrai? C'est déprimant! Sam, tu vas trop vite! Comme d'habitude! Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ceci sera la partie intérieure de notre sac. On va donc la couvrir d'un matériau joli et doux. Psst, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un joli morceau de papier rouge. Ah Sam, tu es toujours plein de surprises. Les amis, pour ce bricolage, pas la peine d'acheter du tissu. Vous n'avez qu'à réutiliser un vieux t-shirt. Un bon bricoleur ne jette jamais rien sans réfléchir. Et ce mélange de colle et d'eau va nous permettre de coller le tissu en papier mousse. Au fait, on a déjà réalisé plusieurs sacs dans nos vidéos. Si vous ne les avez pas encore vus, alors qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas être déçus, les amis. Si, je me demandais, à propos de la déco, puisqu'on mène une expérience. Oh, excellente idée, Sam. Mais les plumes, c'est pas trop mon style. C'est quoi ton style, alors? Les vieux t-shirts? Je plaisante. Parfait. On peut maintenant commencer la partie extérieure de notre sac de dessin animé. On va coller notre t-shirt recyclé en papier mousse, comme ça. Ensuite, il faut lui laisser le temps de sécher, entre 24 et 48 heures. Pour faire un sac, il va nous falloir deux morceaux, comme ceci. Eh bien, à dans deux jours, les amis! Qu'est-ce que tu racontes, Sam? N'écoutez pas les bêtises de Sam, les amis, mais c'est vrai que ça prend un certain temps. Mais fort heureusement, aujourd'hui, nous sommes au pays des dessins animés. Grâce au montage vidéo, on sera très vite de retour. Si, réveille-toi. Le temps a été écoulé. On va pouvoir continuer notre voyage au pays des dessins animés. Dis donc, ça m'a l'air très enthousiaste à propos de ce bricolage. Évidemment. Qui n'aime pas les dessins animés? Voyons voir. En me basant sur mon expérience, je peux affirmer que c'est complètement sec. Passons à l'étape suivante. Et si, c'est pas très pratique d'avoir une seule poche pour tout. Du coup, on peut en créer une deuxième. Tu as raison. Mais d'abord, il faut qu'on découpe ça. Pas de précipitation, les amis. Faites toujours très attention lorsque vous maniez des objets coupants. Et rien de tel que la colle chaude pour fixer la fermeture éclair. Est super douée pour ces tâches-là. Je lui fais totalement confiance. Oh, quel honneur! Et voilà! Alors Sam, qu'est-ce que tu en dis? Ne le prends pas mal, Sue, mais je crois que tu as oublié quelque chose. Tu as l'œil aujourd'hui, Sam. On va maintenant s'occuper de la poche. Ça va être facile. Sue, tu ne vas pas le croire, mais la poche est prête. Merci, Sam. Beau travail. Regardez ça, les amis. J'ai beaucoup d'expérience en tant que bricoleur. Je pourrais faire ce sac les yeux fermés. Oups! Aïe! Nom d'une vache! Oh, arrête de faire l'andouille! On a encore beaucoup de travail! Bien, les amis, c'est un moment crucial. On va voir si la fermeture fonctionne. Oui! Les amis, si vous êtes des habitués, vous savez quelle sera notre prochaine étape. On va assembler le sac. Les bonbons j'ai, le chocolat j'ai, les oursons j'ai, les cookies j'ai. Bien, on dirait que j'ai tout.
Je ne savais pas qu'on avait décidé que cette pièce deviendrait notre deuxième cuisine. Je rassemble juste l'essentiel pour notre voyage en deux dimensions. Et ils n'ont peut-être pas de trucs aussi bons au pays des dessins animés. Tu plaisantes, j'espère. Et qu'est-ce que tu fais des hot dogs sucrés des Simpsons? Du slurm dans Futurama? Des crêpes au bacon d'Adventure Time? Du chimichurri changa de mon petit poney? D'accord, d'accord. Je retire ce que j'ai dit et je vais faire du tri dans ce que j'emporte. Il va falloir que je nettoie ce bazar. Et voilà! Je suis assez fière à chaque fois que j'arrive à te convaincre. Tu ne trouves pas que ce sac est encore un peu trop basique? Tu penses à ce que je pense? C'est l'heure de la décoration! Les amis, aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une technique assez inhabituelle. Mais avant de commencer, il faut qu'on prépare chacune des pièces. Qu'est-ce que tu fais, Sue? Je ne comprends pas. Je veux faire un rabat. Le papier mousse est le matériau vraiment pratique. Il suffit d'appuyer légèrement dessus pour voir apparaître les contours. Nom d'une vache! C'est rapide et efficace! Je vais essayer moi aussi! Ça me rappelle les techniques d'impression. Hop! Et voilà! Moi, ça me fait plutôt penser à un puzzle. Attention! Nous allons créer un genre de motif en ajoutant plusieurs couches, les unes sur les autres. Je vais aller m'entraîner un peu pour le Space Jam. Le Space Jam? Attends une seconde, c'est pas un film avec Michael Jordan dans un univers de dessin animé? Oui, c'est ça! Où est mon ballon? Je me suis dit qu'il valait mieux que je m'entraîne, on ne sait jamais. Et si j'étais ton adversaire? Bam! Vas-y, mollo, Sue! C'est pas un vrai tournoi! Désolée, Sam, je me suis un peu emportée. En attendant, on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à coller le rabat. Et si on lui donnait un aspect original et festif? Je ne veux pas te fâcher, Sam, mais je ne pense pas que les paillettes soient idéales pour ce bricolage. Il faut trouver quelque chose de simple mais stylé. J'ai trouvé, j'ai trouvé! Regarde-tu? Moi aussi, je peux le faire! Je suis un génie! J'ai fait de parfaites boucles décoratives! Et voilà la deuxième! Ça va super bien avec les restes du sac! Il est vraiment chouette, mais il n'a pas l'air bien solide, tu ne trouves pas? Les génies sont pragmatiques, c'est pourquoi on va utiliser ça. Du velcro! Pourquoi je n'y avais pas pensé? Ne t'en fais pas, Sam, c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Hop! Ça marche comme sur des roulettes. Chut! Quelqu'un a déposé ça devant la porte. Ça alors? Ça peut être n'importe quoi. Waouh, c'est une surprise! Tu n'as pas envie de savoir ce qu'il y a dedans? Je me demande si elle se doute que c'est une surprise de la part d'un très cher petit slime. Une seconde, je ne suis pas sûre, mais je crois que le livreur était en 2D. Ah bon? Alors là, je suis encore plus curieuse. Oh, c'est génial! Tu vois, j'étais certaine que les livreurs en 2D étaient de petits farceurs, tout comme toi. Hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, attache ça au sac. Encore un peu de patience, Sam. Un bon sac doit avoir une poignée solide, n'est-ce pas? Et voilà. Hé, hey, tu veux bien fermer les yeux quelques secondes? Tu es sûre que c'est une bonne idée? Bon, d'accord. Tada! Qu'est-ce que tu en dis ici? Ça alors, Sam? Cette super déco, c'est tout ce qui manquait à notre sac. Des coutures décoratives? Qui l'eût cru? Maintenant, admirons ensemble notre joli sac! Sam, je suis trop fatiguée. Tu veux bien qu'on y aille une autre fois? S'il te plaît, ne t'en fais pas, je ferai très attention à ton sac. Bon, d'accord, tu peux le prendre, mais notre voyage n'est que reporté. Eh
Évidemment, Sam. Pas besoin de le préciser. Mais pour l'heure, disons plutôt au revoir à nos amis. Si vous avez aimé notre bricolage aujourd'hui et que vous voulez voir plus de vidéos de sacs sur notre chaîne, mettez-nous un j'aime. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications.